Hey, c'est Njada Kofé. J'espère que le petit machinima d'intro vous a plu, et comme vous avez pu le voir, aujourd'hui nous allons fêter Halloween ensemble. Certes, Halloween est passé, mais comme c'est l'une de mes fêtes favorites, je ne pouvais pas ne pas faire de vidéo sur cet événement. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter la vidéo. J'adore papoter avec vous dans les commentaires et avoir vos retours sur mes vidéos. Et si vous aimez ce que je fais, vous pouvez me soutenir comme d'habitude sur Tipeee en regardant des clips, le lien est dans la barre d'infos. Ce soir, de 17h à minuit, nous proposons un événement Halloween. Non, je ne suis pas en train de vous jouer un mauvais tour. N'hésitez pas à participer, les règles sont simples. Porter un costume ou distribuer des bonbons, se déguiser ou se délester, c'est la dure loi d'Halloween. Quant à moi, mon devoir me retient derrière ce guichet, mais grâce à ce chapeau, je profite de l'ambiance. Je suis assez déçue que Marie ne soit pas sur la place comme pendant l'événement d'août. Et c'est tout pour aujourd'hui, amusez-vous bien sur notre île paradisiaque. Je vous présente mon petit costume que j'ai confectionné pour Halloween. Bon, il reste très simple, mais j'ai décidé de me déguiser en petite sorcière. J'ai utilisé la tenue de sorcier et les chaussures que nous avons avec la dernière mise à jour. Pour la baguette, je suis un peu déçue d'avoir seulement la basique, ça casse un peu tout le look. J'aurais préféré avoir la vraie baguette de sorcière, mais malheureusement Céleste, elle boude un peu mon île depuis quelques temps, donc j'ai pas encore eu le craft malheureusement. Oh là là, je suis totalement fan de la mairie décorée comme ça. Avec les petites guirlandes et même les piles de citrouilles, j'adore. Bon, personnellement, j'ai sommairement décoré autour de la mairie et ça reste relativement léger. Donc voilà ce que j'ai fait à gauche de la mairie. D'ailleurs, je vous avais pas encore présenté ce petit coin, donc vous l'avez en avant-première, entre guillemets. J'ai ajouté une petite pile de citrouille, parce que j'adore ça. Et un petit bol avec des bonbons, ça se marie à peu près bien avec le chariot à gâteau. Et à droite, j'ai encore mis une pile de citrouille. Ce sont mes crafts préférés, donc il y en a partout. Et j'ai ajouté une table avec deux sièges citrouilles ainsi qu'un bol avec des bonbons, encore une fois. Des bonbons ou une farce? Allez, par ici les sucreries, sinon je vais devoir te jouer un vilain tour. Je pense que pour la première fois, on va choisir les bonbons et on va voir ce que ça donne. Des bonbons pour Bibi. C'est qui la meilleure? C'est toi. Pas de bonbons pour toi, mais plutôt une guirlande d'Halloween. Joyeux Halloween! Je peux essayer un truc sur toi? Ça sera pas long, détends-toi juste un instant. Oh, on va pouvoir débloquer la première mimique. Alors, tu as été saisi d'épouvante ou pas? Avoue que je t'ai collé la frousse de ta vie. Ton squelette n'est pas sorti de ton corps comme dans les dessins animés, donc il y a encore du boulot. Des bonbons ou de la farce? Des farces, pardon. Alors, tu choisis quoi? Bon, cette fois-ci... On va choisir la farce pour voir ce que ça donne, au moins. Je vois, tu as fait ton choix, Caramel. À moi de faire le mien. Une farce dans ta face. Les dialogues dans cet event, ils me tuent de rire, par contre. Oh, c'est plutôt réussi, quand même, hein. Finalement, j'ai bien fait de pas mettre de maquillage. Oh là, j'adore son costume. Le violet, ça lui va trop bien. J'aurais aimé que Blanche ait un peu le même costume que lui. Ah, je m'attendais pas à ce que t'aies un bonbon. C'est pas grave, je le prends quand même. Je devrais sûrement te donner quelque chose en échange. Tu veux une déco de table Halloween? C'est de saison. Des friandises ou un sort? Bon, je vais pas te refaire toute la chanson. Un bonbon ou le maléfique Matteo te jettera un sort. No offense, mais Matteo, tu me fais pas peur du tout dans ce costume. Donc on va choisir un sort. D'accord, tu veux vraiment passer aux choses sérieuses. Ne me remercie pas. Remercie plutôt Matteo, génial créateur de cette modeste merveille. Un bonbon ou une farce? Tu peux choisir le bonbon s'il te plaît ou je serai obligée de te jouer un tour. Comme elle veut vraiment pas me faire une farce, on va lui donner un bonbon. Merci. Les bonbons que tu me donnes sont les meilleures merveilles. Tu sais quoi? Moi aussi j'ai des confiseries pour toi. Une sucette plus précisément. Du coup, quelle est la différence entre les sucettes et les bonbons? Les sucettes, ce serait exclusivement pour Jaco, donc on peut pas lui donner de bonbons. Bon, elle a encore les mêmes dialogues que Damia. Même si elles ont la même personnalité, j'aurais espéré que pour Halloween, elles aient pas les mêmes dialogues.
J'espère vraiment que dans un futur proche, ils vont en ajouter d'autres parce que ça devient vraiment redondant de parler à nos habitants, ils disent tout le temps la même chose. Des bonbons ou une blague? Tu veux pas que je te joue un tour quand même? Alors à bout un bonbon. Mais elle, elle a toujours des dialogues un peu à l'ouest. Waouh, je pensais pas que ça passerait. Merci pour le bon bec. Maintenant, on va aller voir Chef et ses fameuses poubelles. Son costume est vraiment parfait. Ah, te voilà, je t'attendais. Après tout, c'est Halloween. Très réussi ton déguisement, je dois dire. Tiens, accepte cette petite douceur. J'insiste. Je suis sûre qu'il y a plein de bonbons qui t'attendent d'ailleurs, alors va les chercher avant qu'il soit trop tard. Désolée, mais je dois suivre les règles. J'ai dû m'entraîner longtemps pour perfectionner ce tour. Tu en penses quoi? C'est réussi, Pécho? C'est Halloween bien pour toi, Caramel? Quand j'ai fait ma réserve de bonbons pour aujourd'hui, j'en ai préservé quelques-uns pour toi. À Halloween, tous les coups sont permis. Alors on se lâche. Son costume lui va tellement bien et ça correspond parfaitement à son rôle à Asgard. Maintenant qu'on a vu tous les habitants, on va pouvoir aller voir Jaco. Je recherche une servante. Moi, Jaco, empereur d'Halloween, je t'autorise à m'obéir, ma citrouille. Voilà qui est mieux. Tu ne le regretteras pas. Les récompenses pleuvent sur mes serviteurs fidèles. Et quelles seront tes tâches, t'interroges-tu? C'est simple. Tu partiras en quête de bonbons. Ta mission peut désormais commencer. Tu vas devoir me quérir le nec le plus ultra des friandises. J'ai nommé les sucettes. Le moment me semble bien choisi pour t'enseigner une mimique sinistre pour Halloween. Observe le maître, mon sbire. Si tu ne donnes pas de bonbons à Jaco, tu vas le regretter. T'ai-je fait trembler les rotules? As-tu senti ta colonne vertébrale se changer en flanc? N'aie crainte, c'est tout naturel lorsqu'on est confronté à la mimique envoûtement. La déesse des douceurs, ma muse, oui! Une sucette, ma citrouille. Toute activité est sursise. Il est l'heure pour moi de me régaler. Délectable. J'en frissonne de délices. Tu as admirablement rempli ta mission. Tu mérites une récompense spéciale. Tu fais montre d'un peu de gratitude envers ton cher Jaco, qui t'a offert une calèche Halloween. Mais ce n'est pas suffisant, sbire. Non, j'exige plus de sucettes. Il me faut plus de sucettes. Pars, séant à la chasse à la sucette et apporte-moi au galop, tu ne le regretteras pas. J'espère que cette petite vidéo d'Halloween vous aura plu. Personnellement, je vais continuer l'event dans mon coin pour essayer de décrocher un peu plus de cadeaux de notre cher Jaco. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet event. Comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous!